Le rayonnement de l'université, c'est quelque chose qui nous concerne tous. 1er mai, à l'université de Parakou, rendez-vous d'échange entre personnel administratif et équipe rectorale. Le syndicat de l'université de Parakou tient à l'épanouissement des travailleurs. C'était une occasion pour exiger de meilleures conditions de travail. Sur les 13 points énumérés, le recteur n'a retenu un seul point qui ne dépend pas forcément de lui, mais des acteurs extérieur à l'université de Parakou. C'est là où je parle du prime de restauration, des primes de logistique. Et il nous a fait comprendre que lorsque la prime n'est pas instituée et que les financiers viennent en contrôle, notamment les inspecteurs des finances du ministère de l'économie et des finances et de notre ministère, ils leur demandent de supprimer carrément. Et nous avons espoir qu'en entrant en négociation avec le recteur, pas le recteur seul, avec toute son équipe et toutes les autorités de l'université de Parakou, d'accord, cela pourra aboutir un jour. Le personnel a regroupé donc ses revendications en deux volets. Un premier volet qui concerne le rayonnement de l'université, un deuxième volet catégoriel. En ce qui concerne le rayonnement de l'université, c'est normal, c'est un volet qui concerne tout le monde, toutes les composantes de l'université. Mais par contre, pour les revendications qui ressortent du volet catégoriel, nous avons dit que nous allons mener un langage de vérité. Les revendications certaines dépendent strictement de nous, pour lesquelles nous avons fait des promesses de voir leur résolution sous peu. Mais il y a d'autres qui ne dépendent pas de nous, pour lesquelles nous leur avons mené un langage de vérité et leur dit que nous ne pouvons pas prendre la garantie de leur apporter une solution dans l'immédiat. Nous allons continuer les réflexions pour voir comment les résoudre. La journée est mise à profit pour instruire les travailleurs sur plusieurs sujets comme les avantages à souscrire à une assurance.